Hello tout le monde, chers préfets, chers directeurs, chers collègues, chers élèves et chers parents. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien amusés avec les trois épisodes de programmation, planification et éducation physique de l'Athénée Royale de l'Air Pur. Pourquoi pas les autres, vous pouvez aussi partager un maximum de partage pour les gens pour qu'ils puissent bénéficier de ces entraînements qui sont bien réfléchis en cette période de confinement. Donc aujourd'hui, l'épisode numéro 4, donc c'est purement cardio. Je vous jure que vous allez kilo killer, donc vous allez vraiment tuer le surplus de poids que vous avez. Alors, je vais donner trois niveaux. Niveau débutant, intermédiaire, avancé. Niveau débutant, vous allez faire 10 minutes d'intervalle. Quand je dis intervalle, vous allez faire 30 secondes de sprint. Ici, j'ai mon tapis roulant, il va maximum 15 km/h. Donc, si j'arrive à plus, ben, ça ne m'aurait pas dérangé. Malade comme je suis, vous savez bien, hein, mes élèves. Dédicace à tous mes élèves, 4e année, garçons, filles, 5e année et surtout mes rétos fous. Donc, sprint pendant 30 secondes et 30 secondes vous marchez. Le sprint, donnez ce que vous pouvez. Je parle pour les débutants. Maintenant, si c'est trop, vous joguez, vous allongez, ce qu'on appelle allonger, mais pas sprinter maximum. Donc, vous êtes plus ou moins à 60 jusqu'à 70% de votre vitesse maximale. Non, maintenant. Ceux qui peuvent, vous pouvez aller à 100% du sprint et 30 secondes, vous marchez. Vous faites ça pendant 10 minutes. Et puis après, vous avez 5 minutes où vous faites 30 secondes de sprint à l'extérieur ou sur tapis roulant. D'accord? Et 30 secondes, vous allez faire la planche. Donc, tout le monde connaît la planche. Donc, on les couvre comme ceci à 90 degrés, 90 degrés. Et tout le corps, une seule ligne. Donc, un seul segment, le bassin bien droit. OK? Ça, vous allez faire ça pendant 5 minutes. Donc, 30 secondes. De sprint et 30 secondes, vous allez faire de la résistance en position planche, plank. Maintenant, ou bien vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Ça, c'est le niveau débutant. Donc, soit vous faites 15 minutes d'entraînement la journée. Les avancées, vous avez 20 minutes. C'est-à-dire, vous allez faire 15 minutes, la même chose, et 5 minutes, la même chose que le groupe numéro 1. Sauf que vous avez 5 minutes en plus d'intervalle. Donc, ça vous fait 15 minutes d'intervalle. 30-30 et 5 minutes d'abdos, de planche. Et le dernier, c'est celui que j'ai fait aujourd'hui. Il est hardcore. Maintenant, à vous de choisir. Si vous voyez que c'est trop, vous pouvez diminuer toujours le temps. Tout est question d'adaptation en fonction de votre corps, bien sûr. D'accord? Alors, vous allez faire pendant 20 minutes l'intervalle. Mais moi, ce que je fais 1 minute de sprint maximal et 30 secondes, je marche. D'accord? Plus ou moins à 5 km/h. 15 km, 5 km, 15 km, 5 km. Pour faire cette courbe de l'intervalle training. Comme ça, le HIIT workout, je vais aller puiser dans ma réserve graisseuse. Okay? Après l'effort, bien sûr, jusqu'à 24 heures. Hein? Okay? Alors, et pendant 10 minutes, je faisais 30 secondes de sprint et 30 secondes, je faisais les abdos. En planche, en mountain climber, en résistance sur le dos avec les mains en dessous du bassin. Bien sûr, tous les exercices, mes chers étudiants, mes chers élèves, qu'on a vus pendant le cycle de conditions physiques et pendant toute l'année. D'accord? Donc voilà, donc n'oubliez pas, niveau 1, 10, 5, niveau 2, 15, 5, et niveau 3, 20, 10, ok? J'espère que vous allez bien vous amuser, allez jusqu'au bout, n'oubliez pas votre diète s'il vous plaît, d'accord? Protéines, lipides, glucides, et le soir, diminuez les glucides, augmentez vos protéines, ok? Diminuez un petit peu les lipides aussi. Quand je parle de lipides, c'est beurre de cacahuète, hein, d'accord? C'est pas la sauce tartare. Et j'espère que vous avez senti vos cuisses et vos fessiers et vos mollets avec l'entraînement qu'on a fait hier. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon amusement. And here we go!